Partons, mes amis, partons pour la suite de la justice avec ce duel, alors qu'on est désormais sur du crépuscule. Si vous utilisez l'effet du monstre Seigneur Lumière du Crépuscule, les cartes de votre deck seront envoyées au cimetière les unes après les autres sans attendre la end phase. Vérifiez toujours les types des monstres Seigneur Lumière qui sont bannis et dans le cimetière, déterminez quand le dragon du jugement et le dragon du châtiment sont appelés et réfléchissez aux contre-mesures. Alors bref, bonne chance quoi. La description, ça pourrait être « Faites tout bien ». Bah du coup... Très bien, monsieur. Le messager de la justice apparaît au crépuscule. Non mais les mecs, c'est des prix concours maintenant, les noms des gars. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Rico, le combattant, seigneur, lumière du crépuscule. Si cette carte est invoquée normalement ou retournée face recto, vous pouvez bannir un monstre, seigneur, lumière depuis votre main ou votre cimetière. Bannissez une carte sur le terrain une fois par tour, si un autre effet de votre monstre aussi en lumière est activé. Envoyez les trois cartes du dessus du deck au cimetière. Lumina la chamane, seigneur lumière du crépuscule. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre seigneur lumière depuis votre main ou votre cimetière. Vous pouvez cibler un de vos monstres seigneur lumière banni en dehors de Lumina et l'invoquer spécialement. Une fois par tour, si un effet de votre autre monstre est activé, ça envoie des cartes, ok. Le moine ici, ok. On met le monstre dans le deck. Envoyer depuis votre deck au cimetière par un effet de monstre. Ok, spécialement. Marche des ténèbres. Ciblez un monstre seigneur lumière dans votre cimetière qui a un niveau, ajoutez-le à votre main, puis bannissez un nombre de cartes dessus du deck égal au niveau d'origine du monstre dans votre main. Ok. Si vous contrôlez dragon du châtiment, ciblez un dragon du jugement dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main, puis envoyez les 4 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière par un effet de monstre seigneur lumière. Vous pouvez cibler un monstre dragon du châtiment depuis votre cimetière et l'ajouter à la main, c'est ce qu'on a fait dans le tuto. Ok. Donc là, je peux bannir... Regarde, il faut que ce soit envoyé au cimetière, mais bon... De l'autre côté, c'est une carte morte autrement. Faisons ça. Ok. Un niveau, ajoutez-le à votre main. J'ai un dragon du châtiment qui est banni, j'ai lui qui est banni. Ok. Sacrifier cette carte. Ouais. Alors. 2100 ici. Et c'est un synthoniseur aussi. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière dont le niveau est inférieur à celui de cette carte sur le terrain.
Et si vous le faites, réduisez le niveau de cette carte de celui du monstre. Mais le reste de ce tour, vous ne pouvez pas activer les effets des monstres du même nom que le monstre envoyé avait dans le cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, une fois par chaîne, durant la main phase de votre adversaire. Vous pouvez faire rapide immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez. Et ici, tant que vous contrôlez un monstre lien, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres que vous contrôlez. Avec une attaque et aussi votre adversaire ne peut pas cibler de monstres que vous contrôlez. Avec des effets de carte une fois par tour. Au début de la Damage Step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez renvoyer le monstre de l'adversaire à la main et aussi... carte peut faire une seconde attaque à la suite. Ça dépend du fait que je contrôle un monstre lien aussi ou pas. Je pense pas. Parce que lui il est moins fort, mais je pourrais faire des synchros derrière. Vas-y, on va tenter lui. Alors, activer l'effet, oui. En sachant que je vais réduire son niveau. Réduire son niveau 3 pour jouer avec un 4. Un total de 8. Bannir un monstre, blablabla. Oui, non. Et puis votre deck au cimetière. Invoquez là spécialement. Je peux faire ça. Ça n'a pas marché. Si cette carte est envoyée depuis votre deck au cimetière. C'est ce que j'ai fait là, non? A chaque fois je me fais avoir. Ça me tue. Ok. Bon, il n'a pas l'air d'avoir grand chose, hein, le pauvre. De 4, 6. Parce que j'ai du 9 ici. J'ai pas de 9. Il existe encore lui. Il devient monstre lien, la vache. Alors on va juste attaquer je pense. Hein. Tu peux pas faire grand chose mais... Faut m'arrêter de jouer pour autant. Hein. Cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un syntoniseur de niveau maximum 3.
depuis votre main ou deck en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Et bien, cette carte que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre synchro synthétiseur depuis votre extra deck. Incroyable ça. Trois monstres de noms différents. Et donc là, j'enlève tout ce que j'ai. Oui, défausser une carte, puis cibler une carte sur le terrain, mais mélangez-la dans le deck. Ok, par lien, vous pouvez défausser une carte, cibler une magie, la détruire. Bon, j'ai invoqué lui. Défausser. Je vais te faire ça. Ok. On s'en était un duel plutôt pauvre. Après, d'un autre côté, je me dis heureusement pour nous, parce que je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Trois fois où je me suis dit je vais utiliser un effet et je les ai pas utilisés. Parce que visiblement je remplissais pas les conditions. Mais j'y crois à mort. J'aime la générale seigneur, lumière du crépuscule. Une fois partout, vous pouvez bannir un monstre seigneur lumière depuis votre main, votre cimetière, puis cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Il perd une attaque et une défense égale au niveau du monstre banni x 300. Une fois par tour, si un autre effet de votre monstre seigneur lumière est activé, comme d'habitude, ça balance des cartes. On est parti pour le Arcane Knights. Alors, double chevalier de la reine, ça me fait un peu mal au cul, hein, je vous avouerai. Mais après, on a de quoi tempo, au final. Blablabla, il devient plus fort, pas de soucis. Prendre le premier effet. Du cimetière. Bonjour, je suis de retour. Oups. Bon. Trou noir. À la bataille. Ok, il m'a arrêté. Ciblé par une attaque, vous pouvez envoyer les deux cartes. Oui, ok. Ok. Bon, je vais laisser comme ça. Pa 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 pa. Reste 23.
Faudra de quoi remettre une carte dans le... Remettre une carte dans le deck sinon je pourrais jamais faire de quinte et débloquer la situation. Son piège. Ok. D'ailleurs, par un effet de monstre. Est-ce que je trou noir maintenant ou est-ce que j'attends? Je commence à avoir beaucoup d'attaques. Je vais tenter de trou noir maintenant. En plus que son piège lui sert à rien s'il a pas de monstre. Il a un monstre. Cours des cartes. Continue de tempo. Tranquillement. Faire, parce que j'ai qu'un seul illusionniste d'effet là. Ok, très bien, merci beaucoup. Il m'a remis dans le deck, c'est tout ce que je demande moi, donc à partir de là. Cette carte, il est presque. Et je peux enfin faire ma quinte. Il faut c'est ici. Extra Harlequin. Est-ce que je vais enlever plutôt le syntoniseur? Pas partout, vous pouvez défausser. Si une carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter monstre lumière de type dragon depuis votre deck à votre main. C'est celui qui m'embête le plus, je pense. Dans tous les cas, c'est vrai que j'avais oublié. J'ai pas de piège dans ma main pour empêcher l'effet. Hop. Donc lui c'était une fois par tour vous pouvez payer 1000 points de vie, cibler une carte et la bannir. Ok, active son effet. Ok, de toute façon il en a deux. Ouais. Du coup. Annuler l'activation. Et les deux font la même chose hein, donc c'est lui. Et il va activer le deuxième de toute façon, donc ça change pas grand chose. Hein. Pas d'interdiction par nom de carte. Oh yes.
Ah, il peut pas activer ça, d'accord. Ah non, du coup j'ai enlevé son... Oh là là, terrible. Je vois ce que j'ai fait. Je l'ai empêché de perdre. Je le vis bien. Refaire la même. J'aurai de nouveau l'arlequin dans la main derrière. Ce qui permettra de le protéger d'un des deux monstres. C'est pas un seigneur lumière lui ? Si, seigneur lumière. Il a pas voulu faire ça. Fin de tour. On reprend ça. Reprends ça. Ok. Attends, non. On reste sur le terrain pour le moment. Ok. Carte dans le deck. Je sais pas si on meurt à la meule. Je pense parce qu'il y avait des decks meule dans Yu-Gi-Oh si je me dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, il peut plus utiliser son piège non plus. Ça nous met bien. Ma partie de terrain qui est tellement fissurée. Ok. Ok, on active les facing. Ça lui repart dans le cimetière. On va renvoyer lui, comme ça part dans l'extra deck. Il aura pas le temps de faire la meule. Nice. Ouais, j'étais content. J'étais content, on a pu utiliser l'effet de l'extra arlequin, ce qu'on fait pas souvent, mine de rien. C'est l'occasion de rebondir, d'être mis dans le mal, moi ça me plaît. Lumière des ténèbres, sacrifier un monstre aux ténèbres avec minimum 1500 points d'attaque, détruisez tous les monstres qui ont été invoqués spécialement ce tour. C'est rigolo parce que du coup tu peux vraiment le faire sur la fin en mode allez, tout ce qui était invoqué. Parce que souvent les destructions d'invocation spéciale, dans celles que j'ai vues, genre la grande corde du paradis et tout, c'est tu le fais directement après l'invocation spéciale. Mais là tu pourrais vraiment le faire sur la fin du tour. C'est rigolo ça. On va se débloquer cette porte là. Et on va partir sur le deck d'emprunt, on va bien voir ce que notre adversaire et ce que nous-mêmes avons en main. Valkyrie du Chaos. Enchantée mademoiselle. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte.
Vous pouvez bannir un monstre lumière ou ténèbres depuis votre cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est bannie, vous pouvez envoyer un monstre lumière ou ténèbres depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte du même nom que la carte le reste de tour. Ok. La zone chaos. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont bannis, placez un compteur chaos sur cette carte pour chacun de ces monstres. Une fois par tour, vous pouvez retirer au minimum 4 compteurs chaos depuis votre terrain. Puis cibler un monstre banni de niveau égal au nombre retiré. Invoquez spécialement la cible. Lorsque cette carte sur le terrain est envoyée au cimetière par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres depuis votre deck à votre main, dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de compteurs chaos qui était sur cette carte. D'accord. On va partir là. Lequel est-ce que je banne ? Ce sera intéressant de ban lui pour pouvoir l'invoquer derrière, mais il va me falloir beaucoup. Il va me falloir beaucoup de compteurs. Je pourrais l'invoquer assez vite. Et c'est vrai que c'est un synchro lui en plus. 2000, 2300, 3000. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres à dévoiler à la main. Et aussi, envoyer les cartes restantes au cimetière. Vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre main au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Drôle. Vas-y, go. Oh, qu'il est beau. Il y en a un qui va aller dans ma main. Le reste va aller au cimetière ou banni ou je sais plus quoi. Alors, voulez-vous ajouter là où les cartes désignées à votre main? Bien sûr. Alors. Partout lorsqu'une carte magie ou piège... Bon, un effet de magie ou piège est activé, et faire rapide, vous pouvez bannir un monstre hein, depuis votre main ou votre cimetière plus ciblé. La carte et la détruire, ça annule pas l'effet. Une fois par tour, d'accord. Alors, je peux mettre ça pour ban quoi. Je vais dire lui. Lui s'active. Ok. Lui il est incroyable. Dragon magique chaotique. Chef du chaos. Bon, son nom c'est chef quoi. Enfin son prénom c'est chef, son nom de famille c'est du chaos. Ah les forces sombres de la justice en face à nous. Je l'ai pourvu. Oh l'appel depuis chez moi, enflure. Sale traître. On va faire une synthonisation aussi. Passe des choses. Hein. Dragon crâne antique. Bâtard. Il m'a juste dit non. Enflure. Ben. Alors, envoyez un monstre lumière ou ténèbres depuis votre main au cimetière. Ajoutez un monstre lumière ou ténèbres qui ne peut pas être invoqué posé normalement depuis votre deck à votre main. Avec un niveau entre 4 et 8 et d'attributs différents du monstre. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis cibler un de vos monstres lumière ou ténèbres banni qui ne peut pas être invoqué posé normalement et placer le monstre au-dessous du deck avant de piocher une carte. C'est cool. C'est rigolo.
Pas de nuit. Pas de nuit. Espace du chaos. On va mettre... ça c'est pas depuis le cimetière. Ah, ok, depuis votre main, oui. On va mettre lui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Dédale du chaos. Oh, bon, oh boy. Un serpent de mer, j'en vois rarement des serpents de mer. Un invocable dans la main doit d'abord être invoqué spécialement en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière. Tant qu'une magie de terrain est face recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres lumière ou ténèbres que vous contrôlez avec des effets de cartes. Vous pouvez cibler un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de magies de terrain face recto sur le terrain et les bannir. C'est incroyable. Je prends lui direct. Un monstre lumière. Je vais bannir lui. Les compteurs là, ils se rajoutent. Un monstre ténèbre. Bannir lui. Qu'est-ce que j'ai ici? Et c'est vrai. Banni qui peut pas être invoqué, posé. Le mettre en dessous du deck et piocher derrière. Tac, pioche. Pire carte à piocher. Vous pouvez cibler un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de magies de terrain face recto sur le terrain et les bannir. Est-ce que je veux le bannir ou est-ce que je veux le mettre au cimetière lui? Je sais pas trop encore. Sélectionner là où les cartes à bannir. Quoi dans le truc banni là? J'ai du niveau 4. On va activer l'effet. Bannir lui. Comme ça. J'en ai 7 ici. Ça retire pas le terrain. Hein. Je peux retirer des compteurs depuis le terrain. Cibler un monstre banni. Invoquer spécialement. Envoyer au cimetière. Non, ça le détruit pas, j'ai pas l'impression. Ah, je peux. Je peux invoquer les ennemis! Oh! Excellent! Eh bah, écoute, bonjour. Je retire les compteurs d'ici. Il faut que je fasse par compteur. Ah oui, d'accord. Bon, ça prend un peu de temps. Incroyable! C'est un Monster Reborn, mais débanni quoi. C'est quand même drôle. Même attribut, mais de machin différent. Oh non, je suis bien là. Je suis bien. De noms différents, je pourrais prendre les trois monstres là. Cette carte a été invoquée par lien en utilisant un ou plusieurs monstres de niveau 7. Niveau 7, lui. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de cartes et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes de votre adversaire. Ce qui détruit un monstre, on peut activer un des effets sur. Je vais faire ça parce que lui est niveau 7 là. Oh là là, oh boy! J'ai deux monstres bien installés, bien résistants. 3000! Allez, Ah mais là il remet dans ma main, oh enflure. Après avoir résolu
Une carte magique qui a été activée durant la main phase de votre adversaire. Vous pouvez cibler un monstre ténèbre de niveau 4 de votre cimetière et l'invoquer spécialement. Moi, je propose que tu dégages, en fait. Peut-être qu'il puisse faire ça tous les tours, c'est incroyable. Allez, au revoir. Au revoir. Depuis votre main au cimetière... Ça me va, parce que le Wolf, il va pas faire grand-chose de toute façon. Une carte à ajouter à la main. Hein, appliquer l'effet. Invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière en position de défense. Digo. Lui. Activer Valkyrie. Cette carte est bannie. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière. Oh oui, il y a une chaîne là. Il y a une chaîne potentiellement très drôle. Genre... Oh non, je vais mettre un gros monstre au cimetière. Je sais pas si ça va marcher ça, par contre. Ouais, non, peut-être pas en fait. Encore que avec lui, peut-être. Ah, je sais pas. Vas-y, on tente. Oh non, ah, il disparaît. Lui, il s'active. Ah non, je peux pas choisir. C'était trop demandé. Ok, ça marche. Pouf. C'est rigolo. C'est rigolo ce deck, j'aime bien. Alors. Tac. Excellent. On va y aller avec les Arcana Knights. Choper les petits tickets. J'imagine que on va choper une icône ou un partenaire, ce serait rigolo, un partenaire 3D là. En piédestal. Je changerai un petit peu des icônes. Mais je pense qu'on va choper cette icône là, en vrai. Je me fais pas trop d'illusions. Hop. J'aime pas beaucoup jouer en premier en vrai, mais. Je suis plus dans la réaction qu'autre chose. Mais bon, faut bien proposer les choses. En fait, le truc c'est que. Là où je suis moyen chaud, c'est que je fais tout ce que je veux, mais l'adversaire en face il fait un trou noir et c'est fini quoi. Donc c'est investir beaucoup de ressources que de jouer en premier. Et bon. J'ai deux quintes dans le cimetière, je vais récupérer mes ressources très rapidement. Au moins ça demandera à l'adversaire de... À la limite, je vais attendre de voir si je tombe sur une reine à un moment donné, quoi. Ouais. En tout cas, pas au premier tour. Au moins, j'obligerai mon adversaire à jouer des grosses cartes. C'est déjà ça de prix. Avec la reine. Et la prochaine quinte, je la récupérerai à la fin du tour de l'adversaire. Ça comme ça. Yep. OK. On va refaire quinte sur quinte. Les petites quintes, tranquillement, pas de pression.
J'aurais dû invoquer le chevalier du roi avant, par contre. Profiter de l'effet de chevalier de la reine. Autant pur moi. On va laisser comme ça, du coup. Ensuite. Oh, il active même pas l'effet là, il... il est dépité. Complètement dépité. C'était unilatéral, mais on a eu encore une fois un petit effet de côté de l'extra harlequin là. Qui n'est pas tant que ça, mais qui aujourd'hui fait son taf. On part sur l'emprunt par ici, et c'est bel et bien pour voir l'icône du dragon du crépuscule, parce que voilà. Bon. Les petites icônes, hein. Toujours sympathique, ça coûte moins cher à produire. Les illustrations de cartes sont déjà là. Allons-y! Le cœur de la justice au-delà de la mort. Ah bon. Alors, Lumina, on défausse, on invoque depuis le cimetière. Depuis votre deck au cimetière, envoyez... Oui, lui, c'est un catalyseur. Il faut qu'il ait déjà l'effet pour qu'il joue le sien. Hydra Lander Orbital. Ok, uniquement invocable spécialement en ayant 5 monstres dans votre cimetière et aucun monstre dans votre cimetière de même nom, une fois par tour effet rapide. Vous pouvez envoyer les 3 monstres du dessus de votre deck au cimetière. Les 3 cartes, pardon. Du dessus de votre deck au cimetière, détruisez une carte sur le terrain. Vous pouvez. Vous devez plutôt avoir minimum 2 monstres dans votre cimetière et aucun monstre dans votre cimetière de même nom. Aucun monstre dans votre cimetière de même nom. Chaud. Elle peut activer et résoudre cet effet. Si on peut appeler un pote. Cache une carte. Aucun joueur ne reçoit de dommages. Jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Raiden, Jeanne. Ok. Mais c'est un deck où on n'a aucun doublon. C'est ce qui nous permettra d'activer les effets de Hydra Lander. Monde zombie. Monde devient zombie. Aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstres en dehors des zombies. Je peux invoquer spécialement lui. Minimum 5 monstres, j'en ai pas 5. Alors j'en ai 4. Si proche. Et pourtant si loin. Ok. Six mille.
Pas se tromper de bouton hein, cette fois. C'est d'éviter. Nice. Excellent. Oh, le bord de l'enfer qui arrivait là. Mais qui est en mode, oui, je mets mon petit monde zombie. Du coup, on n'a pas beaucoup d'infos sur le deck en face pour notre duel avec l'Arcana Knight, mais bon. Dragon du châtiment, une icône représentant un dragon noir venu d'un monde rempli de lumière. Ses crocs pointus et ses griffes acérées peuvent transpercer les forces du mal. 4 tickets ici. Allez, les zombies. Dans votre cimetière, vous pouvez placer une carte depuis votre main au-dessus du deck. Invoquer spécialement cette carte, ok. Je ne peux pas invoquer par sacrifice. Autrement que des monstres zombies. Est-ce que je veux piocher ? Quitte à faire moins de dégâts. Je ne suis pas sûr. Tac. Allez, je peux l'invoquer depuis le cimetière aussi. Hop. Ok. Ensuite. Je peux pas prendre ta attaque. Il y a pas cause de lui. À cause de lui. Apprenti. Ok, il peut pas activer son effet du monstre dans le cimetière directement pendant mon tour. C'est pas un effet rapide. Bah très bien, bah on saura jamais à quoi ressemble le deck du mec en face, le deck zombie du gars à la fin, on saura jamais. Il a juste pas eu de chance. Allons-y pour l'objectif ici. Les seigneurs lumière ne peuvent pas résider dans notre monde trop longtemps. En effet, ils dépensent une puissance magique considérable pour maintenir leur forme pendant leur séjour. C'est pourquoi, aussitôt le bal détruit, ils disparaissent dans un rayon lumineux et regagnent le royaume de lumière. Transcendant le temps et l'espace, leur lutte pour la justice jamais ne cesse. Certains ont affûté leur talent au royaume de lumière afin de recevoir un nouveau rôle de justicier. Les seigneurs lumière nourrissent l'espoir que le cœur des gens trouvera la paix. L'espoir qu'un jour, le monde n'aura plus besoin de tels justiciers. En attendant ce jour, ils continueront à rendre la justice là où on aura besoin d'eux. Ben, on a confiance en vous les gars, merci pour tout. On a gagné la spirale de lumière, un piège continu qui dit que chaque fois qu'une carte est envoyée depuis votre deck au cimetière par l'effet d'un monstre seigneur lumière, on peut retirer du jeu la carte du dessus du deck de votre adversaire pour le fun. Ce qui nous a permis de trouver aussi le pack de cartes justice de lumière pendant un temps donné. On a toujours beaucoup d'orbes, hein. Toujours pas d'orbes devant d'ailleurs. et bien très bien.
On a terminé cette petite campagne qui s'est rajoutée à la liste. Il n'y en a pas d'autres qui se débloquent automatiquement, donc on attendra que qu'il y ait d'autres campagnes qui arrivent pour pouvoir repartir sur ce mode solo. En attendant, nous pouvons partir du principe que c'est chose complétée. Et on se retrouvera du coup pour du Master Duel. Qui sait quand ? Mais en tout cas, pas tout de suite. D'ici là, portez-vous au mieux, des bisous, bye.